entre les amis, on se retrouve pour la suite. Donc on va changer de costume du coup. Parce que... À moins qu'on casse celui-là. Alors attendez. Ah, on a des nos possibles nouveaux costumes. Non, celui-là est pas fou. Celui-là en négatif. Ah, celui-là, oui. Celui-là, allez, hop, il y a la classe. C'est parti. J'arrête pas d'être malade en ce moment-là, le rhume, la toux, ça merde. Peter! Tu vas jamais vouloir me croire. Tu sais, l'adresse que tu m'as donnée, j'y suis allée. Oh, MJ. Je sais, mais attends. Qu'est-ce que c'est? Écoute. Encore une phase que je C'est l'adresse que déteste. Peter a trouvée. Il porte des armes à feu. C'est quoi cet endroit? Dans ce bureau, il pourrait y avoir un élément en rapport avec lui. Il faut que j'entre dans ce bureau. Hein? C'était quoi? Encore un qui est né avec deux mains gauches. Je suis sûr que c'est Happy. J'ai failli tuer un rat. Je dois virer ce type de mon chemin. Hop. Martin Lee paye vraiment le patron? Ouais. On fabrique cette bête de guerre pour Lee. Lee finance la nouvelle cam du patron. C'est gagnant-gagnant. Ouais, bah tu devrais faire des figures plus propres que ça. Si le patron voit ça, il va enrager. Il faut que j'entre dans ce bureau. Et sinon, il fait quoi le patron avec le blé Martin Lee? Le greffe d'ost, mon pote. Tout le pognon va directement dans le greffe d'ost. T'as déjà testé? Qu'est-ce qu'ils construisent? C'est pour lui tout ça? Que des échantillons. Attention. Le patron bosse encore sur le mélange. Et je te jure, il s'en va. Non! Merde. Ah. A besoin de pneus aussi gros. Merde, je deviens pas... Elle est où? Je suis sûr que je l'avais laissée là. Hey, quelqu'un a vu la clé de 12 quelque part? Putain de merde. Ah. J'aime pas les phrases avec je suis sûr que je avec Mary Jane.
sont chiantes. Hé hey, quelqu'un a vu la clé de 12 quelque part? C'était quoi ce bruit? Non! C'est quoi ce bordel, putain? Oh, mais ça va aller là? Oh! Je suis sûr que je l'avais laissé là. Hé! Hey, quelqu'un a vu la clé de 12 quelque part? Quand on a une nouvelle scie sauteuse. Hey, quelqu'un a pensé à racheter de la bière? C'est quoi ça? Un genre d'équipement militaire? Le bureau doit être à ma droite. Il faut que j'avance prudemment. Hey mec, pourquoi le patron tient à ce point à ce qu'on mette des puces GPS partout? C'est pour protéger la cam. Il veut pas que la recette du Grave Dust sorte ici. Ouais, il est un peu parano. On te demande pas ton avis. Au boulot. On aille chercher du produit? Quand on aura acheté les bidons vides. Ces bidons, c'est important. On les balance tous dans le marais avec avant la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Patron, viens! Libération! Tombstone. C'est vrai, Eric. Il verra rien. Parce qu'il n'y aura rien à voir. C'est pas vrai! J'ai dit que j'arrangerais ça! Ah ah. T'en as dans le ventre, Rick. Voyons si ça va durer. Quelle cruelle déception. Là, c'était chaud. J'ai réussi. Par ici. Des plans. Un VBT. C'est ça qu'ils construisent pour Lee. Mais pourquoi ils auraient besoin d'un véhicule blindé? Et voilà. Des balises GPS. Pourquoi Tombstone en aurait besoin? Ok, les gars. On s'arrache. Prenez le matos dans mon bureau. C'est l'heure de partir. Bon, c'est là que je te dis de jamais recommencer, mais je sais que tu m'écouteras pas, alors... Tiens. Emporte ça la prochaine fois. Cool. Merci. Tu le sais que Tombstone est fou et presque invincible, pas vrai? Tout le monde a un point faible. Le mien, c'est... ce que t'es en train de préparer. Ça sent trop bon. Poulet au curry. Y a plus qu'à faire mijoter. Pas de boulettes, j'espère.
Tu me laisseras jamais oublier ça, pas vrai? Non. La grande débâcle des boulettes. Quand je pense qu'ils ont évacué tout l'immeuble. Ouais, et en janvier en plus. Des voisins m'ont détesté. Ouais, ils étaient soulagés quand on a rompu. Ouais. Bon. Parlons de ce que t'as vu dans le bureau de Lee. Ouais. On sait que Lee a une dent contre Norman Osborn. Ouais, mais... pourquoi? Je sais pas encore. Mais apparemment, il prépare un truc avec le souffle du diable. On va savoir ce que c'est. Ouais. Je ferai des recherches. Dis, je me demandais... si on faisait équipe. Tu veux être mon acolyte? Genre, la fille araignée? La femme araignée, la femme. Pas une acolyte. Une partenaire. Oh. Pas encore! Ah. Hey, c'est ton détecteur de crime. Effraction chez un particulier. Charles Standish. Ça me dit quelque chose. Oh! Le comptable d'Oscorp. Attends. Tu crois que ça a un rapport avec Lee? Désolé de partir comme ça. Tu vas laisser tes fringues par terre, dans la cuisine? Où est-ce que tu veux que... Là, poste-toi sur le canapé. Bon, on se voit plus tard? Ouais. Mais je dis ce costume. Salut, c'est moi. Il est dingue, ton Curie. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur Charles Standish? Voyons un peu. Directeur administratif et financier chez Oscorp. Célibataire, collectionneur d'art. Et s'il a un penthouse dans cet immeuble, il doit être vraiment riche. Lee le cherche. C'est forcément lié au souffle du diable. Je vais faire une recherche complète sur tout ce fichier. Préviens-moi dès que tu trouves un truc. Je sens que Lee prépare quelque chose d'encore pire que l'attaque contre l'hôtel de ville. Du coup, on est partenaire ou pas? C'est un peu l'impression que ça donne. Partenaire! Ça rend pas mal! Ok. Alors, à plus, partenaire. Avis à tous les agents, on nous confirme la présence d'un engin explosif. On dirait que les policiers ont besoin d'un coup de main. Appelez le central. On a besoin d'un fourgon. Il doit y en avoir d'autres à l'intérieur. Bougez pas d'ici.
Quelqu'un était pressé. Spider-Man. Vous êtes blessé? Non, ça va. Mais vous devez retrouver Monsieur Standish, et vite. Ces types masqués l'ont enlevé et l'ont forcé à les mener chez lui, dans son penthouse, au dernier étage. Ok, bougez pas d'ici. Eh ben, content de vous voir. Cours plus ma caisse. J'aurais juré qu'elle était garée à cet étage. Bon, j'ai gâché mes deux toiles du coup. Chier. Merde. Couché. Couché. Vas-y, tire. Hop là. Couché. Oula, y'a King Kong. Comment ça? Vous bossez là, vous aussi? Ah bah, il plaisante pas avec le gardiennage dans ce bâtiment. Voilà. C'est ça. À côté. Hop là. Bien tenté, mais raté. Pas la peine de prendre l'ascenseur, ils savent que je suis là. Mais je peux éventuellement me glisser par sa cage. Je devrais pouvoir rejoindre le penthouse par là. Steve, me Woody. Ok, j'y suis presque. Restons dans la pénombre. Voilà. Attention. C'est qu'il est haut ce bâtiment. Wow. Des bombes incendiaires, sans blague. Wow. Qu'est-ce qu'il... Oh, oh. Wow. Pas bon ça. Jenner. Pas bon ça.
Voilà Standish. Très bien. Et maintenant? Entrez le mot de passe. Ok. Bon, c'est facile. Tasse, c'est bas. Pied d'Iguda. Tu idée du Fujin. Il a l'air à cran. Je devrais peut-être abréger ses souffrances. Touché. C'est pas grave. Ok, c'est bon. J'espère que Standish va bien. Ninjaku, à nous. Ok. Oula, 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 ouais, 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 faut pas non plus prendre trop la confiance là. Ouais. Ouais, vous calmer là. Putain, hop là. Oh là 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 là, je me suis fait niquer. Sale. Voilà. Essayons encore une fois. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il voulait? Juste des documents financiers. Sur le souffle du diable? Qui vous a parlé de ça? Pourquoi ils veulent s'en emparer? Je sais même pas ce que c'est. Monsieur Osborne le finance à coups de millions depuis des années. Mais il garde le projet top secret. Je suis le seul à avoir des traces écrites. Plus maintenant. On dirait qu'ils ont copié les fichiers vers un serveur sécurisé. Registre du personnel.
Un certain docteur Isaac Delany. C'est qui, lui? Je l'ignore totalement. Mais c'est vous! Allez, allez! Non, garçon, se arrête! Essayez de tomber moins vite! Je vous tiens! Tout va bien? Oui, je crois. Bon, cool. Vous savez, pour une cage d'ascenseur, c'est plutôt pas mal. Salut Yuri. Tout va bien? Ouais. Mais le problème, c'est que Standish a pas eu le temps de me dire grand-chose avant que les hommes de sable arrivent et me chassent de là. Qu'est-ce qu'ils ont? J'ai l'impression que tout ce qui leur importe, c'est d'éviter qu'ils ne parlent. Parce qu'il est au courant pour le souffle du diable. Oui, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. J'y travaille. Je crois même avoir une piste. Une piste? Vous parlez comme un flic? Vous voulez dire... L'inspecteur Spider? Yuri? Oh, c'est pas sympa. Peter, qu'est-ce qui s'est passé avec Standish? Il est en sécurité. Ok, très bien. Et les démons? Il recherchait un nom. T'as de quoi noter? Ouais, vas-y. Docteur Isaac Delany. Ok. C'est qui? Et pourquoi lui? Ah bah j'espérais que tu me le dirais! Je m'en occupe, ce sera pas trop long. Oh, et avant que j'oublie, t'as zappé le mouchard de Tombstone chez moi. Je te le déposerai au labo du docteur Octavius. Bon, je te dirai ce que je trouve sur Delany. Hop là. Bonne. Un message du doc? Désolé d'appeler si tard, mais l'esprit déborde d'idées. On l'a vu trop petit, Peter. Pourquoi remplacer les membres par des prothèses réalistes quand on peut les améliorer? Alors bien sûr, les gens qui ont perdu un bras veulent le retrouver. Mais on pourrait leur donner encore mieux. On n'a pas à se plier aux limites du corps humain. On peut les dépasser. Réfléchis-y quand tu auras le temps. Doc se donne vraiment à fond. J'espère qu'il va pas nous faire un burn-out. Salut, vous auriez le temps de vérifier un truc pour moi? Non, mais si vous demandez gentiment... J'ai reçu un appel à propos d'une curieuse boîte sur un toit à Hell's Kitchen. Je pourrais prévenir les démineurs, mais si c'est juste le projet SVT d'un collégien... Ouais, je vois le truc. Crise budgétaire, tout ça, tout ça. Et donc? Vous pourriez aller voir, s'il vous plaît. Vous avez dit le mot magique! J'espère que c'est le projet SVT d'un collégien. Ça me manque, cette époque. Les projets à l'école sont tellement plus faciles que dans la vraie vie. On va faire ça et puis je vais vous laisser. Des terroristes avec des masques ont pris un bus en otage.
Incident en cours vers Times Square. Observez la prudence. Je ferai la suite ce soir. Pour moi. Alerte à toutes les unités, agents aux prises avec les démons. Échange de tir. Spider-Man, alors tu as trouvé l'un de mes points de géologue. Qui êtes-vous ? Mauvaise question. Il fallait se demander. Peut-être stopper les bombes que j'ai posées. L'homme énigmatique a des points de géolocalisation en cap. Cet ordinateur pointe vers des bombes dans le district. Et elles sont sur le point d'exploser. Je dois faire vite. Ok. Go. Les bombes ne vont pas se désamorcer toutes seules. Ok, celle-là, c'est bon. Tout furieux. Merde. Hop là. J'aurais pu faire mieux. Bon travail pour les bombes, mais tu insistes trop sur ton lancer. Ça affecte ta précision. C'est quoi votre espèce de jeu pervers ? Les jeux, je laisse ça aux enfants. Je suis un professionnel, et on me paie en tant que tel. Je pense que votre client gaspille son argent. Parfois, les informations valent plus que de l'argent, et j'ai beaucoup appris en t'observant. MJ, t'as trouvé quelque chose sur Isaac Delany ? Tiens, regarde la photo que je t'ai envoyée. C'est lequel, Delany ? J'en sais rien. Tu vas devoir aller à cette petite fête pour le découvrir. Ça tombe bien, j'ai déjà un costume. Et ben moi je vais vous laisser ici, hein. On se retrouve ce soir pour la chasse à la belle amie, hein. Sur ce, prenez soin de vous et à ce soir.